Salut. Il nous be invité d'honneur, je peux dire invité spécial du milliardaire français. Monsieur Arnaud, milliardaire français. Inosbi à France, invité par les milliardaires français. Pas milliardaire afro-congolais, pas milliardaire afro-céphan, mais à Nero, milliardaire à Nero. C'est lui qui est dans les bras de Inosbi. C'est lui qui a invité Inosbi à France. Inosbi, c'est un homme qui ne parle pas trop. Il y a beaucoup de secrets qui est derrière cela. Et vous serez révélés très, très, très bientôt. Il a eu un visa. Il a toujours eu des visas pour aller à France. Mais n'a jamais fait de chantage sur les réseaux sociaux. Parce que pour lui, visa, c'est un moyen seulement de sortir dans un pays pour aller dans un autre pays. Ça, c'est un moyen. Mais il y a d'autres papas qui ont grandi plus de 20 ans partir en Europe. Mais avoir un petit visa, il faut des publicités sur les réseaux sociaux. Des messieurs qui ont à peu près 50 ans, ils ne comprennent pas qu'ils ont déjà grandi. Ce sont des papas avérés. Mais comme Bazakaka, ce sont des villageois en tête, ils ne comprennent même pas que un visa, c'est une petite chose pour un artiste. Fali, il est tombé trop bas. Il est tombé trop bas sous les pieds de Inosbi. Ça, c'est la grandeur d'être un artiste international. Un artiste mondial comme Inosbi ne peut jamais faire de telles choses. Alors, Inosbi, il est encore le seul artiste congolais qui va représenter la musique congolaise dans 5 continents dans moins de 1 mois, dans moins de 30 jours. Il sera dans 5 continents. Il sera au Canada. Il sera aux États-Unis. Au moins, je fais la vidéo, il est en Europe. Il sera en Australie. Il est également en Afrique. Partout. Mais pas de communication. Puisque la communication congolaise, c'est une communication à la con. La communication congolaise, elle est tellement... C'est une communication à la sienne. C'est une communication qui n'évolue pas, qui ne change pas, qui n'a pas de transformation, qui n'est remplie que des pauvres. Les pauvres qui cherchent à s'enrichir, kakasima yabafane au baza moins intelligent. Inosbi, c'est le seul musicien qui fait parler de lui sans faire de bruit partout en Afrique, partout en Europe, partout en Asie, partout en Amérique. Quand on parle de Inosbi, on ne voit même pas quelqu'un d'arrogance. C'est un homme simple, un homme plein d'humilité. Mais quand on regarde l'affaire, l'action, un homme qui a plus de 500 000 challenges sur TikTok, ça ne s'est jamais fait au Congo. Jamais, encore une fois, jamais. Les challenges que les gens font dans la musique de Inosbi, ce ne sont pas les challenges de la communauté locale congolaise. Ce ne sont pas seulement les challenges de la communauté locale africaine. Mais les challenges de Inosbi, qui sont aussi les TikTok, Instagram, Facebook, comme les Reels, c'est partout. Ça vient des États-Unis. Pas la communauté africaine des États-Unis. Les blancs des États-Unis font les challenges. Les blancs de l'Australie, les blancs de l'Allemagne, les blancs de pays scandinaves, les blancs de partout, il faut les challenges. Pas compter les Africains. Maintenant, quand on parle d'un artiste mondial, un artiste de renommée vraiment mondiale, je ne vois pas un artiste au niveau de Inosbi, quand on parle même, que ce soit musique urbaine au Congo, en Afrique, on ne peut pas citer 3 artistes internationaux, non, mondiaux, en Afrique, sans compter le nom de Inosbi.
ça passait par le nom de Enos B. Puisque c'était monsieur d'abord, il est doué dans son métier, il est doué dans tout ce qu'il fait, il est vraiment un professionnel dans la musique, il a des capacités artistiques que beaucoup de musiciens n'ont pas chez nous au Congo, même en Afrique. Il nous amène toujours des choses uniques. Il n'est pas quelqu'un qui nous amène des choses embêtantes, par exemple, quand je parle de musique embêtante, par exemple, des choses qui sont... de la monotonie. Lui, c'est un musicien qui n'a pas de la monotonie. Il ne connaît pas la monotonie. Dans tout ce qu'il fait, il y a toujours des diversifications. C'est ça, la force et la connaissance musicale de Enos B. Quand on parle de Enos B, pour moi, je ne le compte pas parmi les musiciens, que ce soit disant internationaux. Pour lui, c'était musicien mondial. Le seul musicien qui a joué dans beaucoup de pays, dans la génération présente ici. Il a joué en Europe, avant le COVID, en espace de 3 semaines, il a joué dans plus de 4 pays. Ça, les gens ne disent pas cela. Il a joué aux États-Unis, il est parti jusqu'à Hollywood. C'est Enos B toujours. C'est le premier musicien à jouer en Norvège. Il a été à Danemark. Aujourd'hui, il sera à Suède. Ça, c'est toujours Enos B. Pas beaucoup, pas autre personne. Mais il ne parle pas trop. C'est la musique. C'est sa façon de faire les choses. C'est sa valeur artistique qui parle de lui. Il ne fait que surprendre le monde des mélomanes de la bonne musique. Et quand il nous amène de la musique, quand Enos B nous amène de la musique, ce ne sont pas de la musique là qui tourne autour des reins, la musique qui tourne autour du sexe, la musique qui tourne autour du lit. Non. Pour Enos B, il nous amène toutes sortes de thèmes, que ce soit des thèmes de la vie, les thèmes d'encouragement, les thèmes émotionnels. Il nous amène des thèmes, même quand il s'agit de l'amour, lui, il nous parle vraiment du vrai sens d'amour. Que ce soit l'amour d'un homme envers sa femme, par exemple la chanson comme Mire. Il y a une chanson d'Enos B qui s'intitule Mire, une chanson très mature. La chanson qui parle tellement au profond que vous l'imaginez. Quand vous écoutez la mélodie, la chorale qui a participé, la musique, les gens qui ont joué de la musique, quand il a mis la voix, il sait vraiment, vraiment quoi faire quand il s'agit de la musique. De la musique rumba, jusqu'à aujourd'hui, il nous a amené une autre chanson qu'on appelle CT. Une chanson vraiment, vraiment qui a un niveau artistiquement supérieur à toutes les chansons urbaines qu'on a connues au Congo. Et puis, la façon dont il nous a amené la chanson là, ce n'est pas une chanson juste dansante. Vous dansez à la chanson et puis vous écoutez les messages. C'est ça le côté fort également de Enos B. Il ne fait pas seulement chanter et danser les gens, mais quand vous dansez au rythme de Enos B, vous indiquez également. Il y a du message qui passe dans sa musique, la façon de chanter, la façon de il va vous trémousser, la mélodie là va vous permettre de chanter sa musique. Tout en chantant, vous allez capter le message qui est envoyé à travers la musique. Et surtout, ce n'a jamais été un message mauvais. C'est toujours le message éducatif, message d'encouragement, le message toujours de correction de la jeunesse aujourd'hui. Pendant qu'il y a certains musiciens, beaucoup de musiciens, qui ne comprennent pas qu'ils sont en train de détruire la jeunesse. Ils sont en train de détruire vraiment la jeunesse africaine. Si aujourd'hui on parle de la destruction africaine, de la jeunesse africaine, souvent c'est à travers la musique. Mais comme la musique a détruit beaucoup, beaucoup de la partie, soit à 60% de la jeunesse, il y a un artiste qui se bat jour et nuit. Un artiste qui ne dort pas, qui essaie de voir comment il va encore redonner l'image de la jeunesse africaine, comment il va recadrer encore la jeunesse africaine, que ce soit la jeunesse congolaise, en passant par le niveau mondial.
Inosbi, il est là, il essaie d'encadrer, d'encourager les gens avec la chanson comme Ozobetamabe. Il nous a amené la chanson comme mon boulot, il faut être fier de ton boulot. Par la chanson que je viens de dire, Ozobetamabe, il montre comment dans la société il faut vivre. Il faut vivre en société, il faut vivre. Un instant, je suis à l'extérieur, il y a des fois des voitures qui passent derrière moi, alors je suis obligé de laisser, je suis dans le parking ici, dans un coin, je vais aller prendre du café juste là, après la vidéo ici, je vais aller prendre le café là-bas, et ça c'est un petit centre commercial dans le quartier ici, chaque coin résidentiel, il y a toujours un coin où il y a de la nourriture, des pressings, des banques, il y a une banque ici derrière, ici. Il y a également d'autres banques et des restaurants ici qui ouvrent souvent vers 10h, maintenant c'est 8h30, là NW ça ouvre, c'est 24h24, c'est là où vous voyez les voitures ici, ça vaut, tu peux commander à la maison, tu vas seulement, tu prends la nourriture et tu t'en vas, ou bien tu envoies ça à la maison, ça dépend de toi. Alors quand je parlais de Ozobetamabe, je fais d'abord coucou à Joël Ndelo, un monsieur qui n'a jamais laissé la chaîne ici. Il a toujours été là pour soutenir la chaîne ici et toutes les œuvres de Inosbi. Alors quand je parle de Ozobetamabe, il montre comment il ne faut pas être... Il parle de l'égoïsme, l'égocentrisme. Évitez d'être égoïste. Si vous avez quelque chose, si vous avez un coin, par exemple, vous travaillez dans une compagnie, il y a un poste vacant où on veut embaucher quelqu'un. Il ne faut pas être arrogant, dire par exemple, non, moi si j'ai connecté mon ami, soit mon cousin, il aura un salaire comme moi, je ne peux pas faire ça. Ça c'est de l'égoïsme qui motive Mabé. Alors ce sont des antivaleurs comme ça que Inosbi est en train de lancer dans la communauté. Il a parlé de mon boulot. Une chanson où vraiment, il nous dit que tu sois un cordonnier, quelqu'un qui répare des chaussures, que tu sois quelqu'un qui vit dans les restaurants, que tu sois cuisinier, même un ministre, c'est ton boulot, il faut être fier de ton boulot. Quand il y a un boulot pareil, fais-le avec un cœur sincère, avec un cœur d'amour. Ce sont les messages que Inosbi nous amène dans beaucoup de ses chansons. La dernière chanson ici, comme c'était la chanson c'était qui fait vraiment rage sur les réseaux sociaux, Inosbi n'a pas amené grand chose, mais tout ce qu'il a dit dans la chanson là, il a dit il ne faut pas être jaloux de quelqu'un, ne jalousez pas quelqu'un parce qu'il a réussi, ne jalousez pas quelqu'un parce que toi tu as échoué. Juste, il faut soutenir, il faut applaudir si tu vois quelqu'un réussir. Parce que si il réussissait aujourd'hui, cela ne signifie pas que tu vas échouer demain. Si il a réussi aujourd'hui, ne jalousez pas. Peut-être ta journée, ta chance va sourire demain. Ce sont des messages pareils, simples, beaux, qui passent dans la musique, dans des mélodies vraiment mélancoliques, les mélodies dansantes de ce qu'on appelle Afro-Congo. L'Afro-Congo n'est plus Afro-Congo africain, n'est plus Afro-Congo, c'est Afro-World. Pour lui, c'est Afro-Congo mondial. Alors, mes chers amis, je sais que vous avez aimé la vidéo. Inosbi, au moment où il est là, il sera à Suède, il sera en Allemagne, il sera également aux États-Unis où il va livrer un grand concert au Parkland. Alors, mes chers amis, vous qui êtes là, vous qui soutenez Afro-Congo, Inosbi, les Tigres, veuillez vraiment prendre vos tickets, prenez vos places, puisque les places seront limitées dans des festivals. Vraiment, allez soutenir l'œuvre, les œuvres grandioses de Inosbi, où il nous prodigue des conseils avec des belles mélodies. Moi, votre frère Guilma, vraiment, si vous aimez la vidéo ici, n'oubliez pas de la partager, de commenter, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Alors, on se revoit à très bientôt. Encore une fois, commentez, partagez, abonnez-vous. Je vous retrouve très bientôt dans une autre pièce encore qui parle des actualités musicales congolaises. Qu'est-ce que tu sois à Côte d'Ivoire, en Angola, au Cameroun, au Canada, aux États-Unis, en Australie, vous m'écrivez beaucoup de messages. À Chine également, toute l'Europe là, que ce soit Belgique, France, Allemagne, les pays scandinaves, Norvège, Danemark, partout. En tout cas, mes chers amis, encore une fois encore, allez
soutenir les œuvres de Inosbi, ce sont les œuvres qui parlent beaucoup. Ce sont les œuvres qui communiquent de l'amour, de la sagesse, les œuvres qui communiquent de la patience, d'encouragement, les œuvres qui communiquent de la façon de vivre, comme la chanson qui nous a donné Bango Kakate. Il encourage la jeunesse à être toujours forte. Il encourage la jeunesse à ne pas se décourager, à ne pas baisser les bras. Leurs jours viendront. Chacun a son jour. Et notre destinée est encore dans la main de Dieu. Travaillons, soyons courageux. Soutenons l'artiste international, l'artiste mondial Inosbi. On se revoit très bientôt. Bye.